Et ensuite, le plus à même de rester éternellement gentil, Jack le jongleur Ampersand. Non, ça suffit! Plus personne ne m'appelle comme ça, j'ai changé, je suis devenu méchant. C'est même tout ce que je suis. Méchant ou non, tu seras toujours le garçon le plus gentil qu'on connaît. Eh bien, en tant que garçon le plus gentil que vous connaissez, j'ai prévu une surprise diabolique pour vous tous sur le parking. Alors merci de vous y rendre. Tout de suite! D'accord, bah c'est pas prévu dans l'emploi du temps, mais... Comment refuser quoi que ce soit à Jack le jongleur? Allons-y, les amis! Le garçon le plus gentil qu'ils connaissent. Est-ce qu'un gentil ferait ça? Nouveau plan. Étape 1, extraire la Flexidium. Étape 3, conquérir le monde. Étape 2, détruire l'établissement. Oui, je les ai dites dans le désordre pour produire un effet dramatique. Il y a plein de photos où papa traîne avec ce garçon. Il te rappelle pas quelqu'un? Pour Dave, ne change jamais mon pote. Amitié, Jack le jongleur. Attendez une seconde. Oh, salut Gretel. Salut Kevin. Est-ce que tout se passe bien à la réunion? Ouais, je me noie dans ma honte et mon ennui, c'est tout. Quoi de neuf? Papa était au lycée avec un certain Jack le jongleur et selon notre théorie, ça pourrait être le professeur exclamation. Non, je suis là depuis un moment et j'ai rien vu de diabolique. J'ai vraiment hâte de voir quelle surprise diabolique Jack le jongleur nous a concoctée. Tout bien réfléchi, vous devriez peut-être venir ici. Tout de suite. Allez, beauté des fesses de vilain. Je vais... Ouais, je vais rester assise sur les miennes. Eureka! J'ai trouvé l'inflexidium! Stop! Stop! Qu'est-ce que vous faites? Je vais extraire un métal rare qui fait partie de mon plan complexe pour conquérir le monde. Oh! Et détruire mon ancien lycée parce que c'est cathartique. Oh, je sais pas ce que ça veut dire, cathartique! Écoute, ado vaguement familier, en fait, je te rends service. Quand tu seras plus vieux, tu voudras effacer tous les souvenirs embarrassants reliés à cet endroit. Tu peux me croire. Mais c'est pas si mal, enfin. Détruire la vitrine des trophées, c'était mal, mais... C'était toi! J'ai aucune envie d'en parler! Tu as abordé le sujet! Le fait est que j'ai déjà énormément de bons souvenirs ici. Il y a mes amis, la fille qui me plaît... Et je suis sûr qu'il y a aussi des choses ici qui vous sont chères. Non.